Eh bien, peuple et gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Infamous First Light, le jeu, enfin un des jeux gratuits après The Swapper du mois de janvier sur le PSN Plus. Alors, j'ai jamais fait un seul Infamous. Je n'ai pas ni ce PS 3 ni ce PS 4 du coup. Donc, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, même si je connais un peu le jeu de vue. Hein. Le jeu quand même a son petit succès, notamment Second Son, qui était un des premiers jeux sortis sur PS4. Je sais pas si très long, en tout cas j'aimerais bien faire un petit let's play, ça a l'air sympa. Donc si le jeu. Enfin si je m'accroche au jeu, on pourra pourquoi pas faire toute l'aventure ensemble. Sur X. Bon alors ouais, normal hein. Alors, petit storyboard. D'accord, une sorte de petit une histoire à X-Men quoi. Personne n'a des pouvoirs surhumains, ça fait peur, des accidents parce que les gens maîtrisent pas, ou sont mal intentionnés tout simplement. Ça part en cacahuète. Alors si je me bêtise, si j'ai bien suivi l'histoire, je crois qu'on est une jeune fille, et on doit s'échapper d'un de ce fameux centre où sont regroupés donc les humains ayant ce genre de petits pouvoirs. Pas X-Men, mais la scène ça fait vraiment X-Men 2 quoi. Je sais que c'est dur. Ce qui est arrivé est inimaginable. Ce qu'il fait avec ses gros, avec ses malances, son truc là. Je dois savoir plus. Mademoiselle. Ambiance glauque, hein. Mademoiselle. Faites ! Allez. Dites-moi. Ce qui s'est passé. Ok. Va-t-on vivre l'histoire qui s'est passée? Mes parents m'ont poussé quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs. J'étais dévastée. Mais mon frère Brent m'a jamais laissé tomber. Il m'a prise par la main et on s'est enfui. On a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas, sans jamais se fixer nulle part. On a fait des choses discutables pour de l'argent. Mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle, c'était pire que tous les autres réunis. Ah. Ah bien. Allez, quoi? C'est la dernière fois. Tout y est, on peut y aller? Non, cette fois c'est le jackpot. Combien? Assez pour louer un bel appart. Ah ouais. Ouais. Assez pour un chat sacré de Birmanie. Hein? C'est mesquin. Assez pour un nouveau départ. On en a besoin. Merde, baisse-toi, baisse-toi! Quoi? C'est des flics. Bon, planque-toi, je fais diversion. Attends. Fais ce boulot et on part cette nuit. Personne ne nous retrouvera, hein? Ouais, dès que. Non. Non, n'utilise pas tes pouvoirs. Je vais tuer personne. C'est ma part du boulot. Ok. Toi, stop. Regarde-moi. Allez, lève les yeux. Oh, c'est vraiment nécessaire. Officier Hall, procédure en cours. Allez. M'aveugle un peu. Donc là, on reprend le contrôle. Option. Ok. Et. Soit pas des nouvelles parties chargées par des difficultés, sans suite à la visée, verticale, horizontale, mode photo, son, mix audio, on est en casque stéréo, sans fil, 2.0, non. Juste en casque, on va dire. Sous-titres, atterrage du jeu, doublage français, humidité, image par seconde. Ouais, c'est tout. Alors, zoom, tirer. Attaque de stase, attaque lourde, coup fort en mêlée, sprinter, sauter, attaquer, se déplacer, détection, maintenir, regarder, ok. Tu vas faire quoi? Je vais voir son pote. Ok, bon. Nous avons une vue de TPS. Attendez! Vous voulez voir un truc? Courir à la vitesse lumière.
C'est génial ça. Trop drôle. Brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs. Il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville, il y aurait une nouvelle chasse à l'homme. Mais cette nuit-là, j'étais pas inquiète. J'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot. Et on partirait tous les deux. On serait déjà loin quand le DUP se pointerait. Drôle. D'accord, on a un petit vue HDR en fait. Il me tire dessus, c'est con. Mais sérieux, il me tire dessus. Ouais, une jauge, on peut utiliser ça à l'infini ou... C'est cool avec son hélico lui hein. Hop là. Hélico de merde. C'est quoi les points roses? Ok, il y a plein de points roses mais ça me dit pas ce que c'est. Bon hein. Bon, l'hélico, tu me vois pas, alors dégage. Ça va. Enfin, je crois. Ouais. Je sais pas ce que c'est que les téléphones. Brent, j'y crois. Ça va? Ouais, ça va. Mais dès que t'as commencé à briller, toute la ville est devenue cinglée. C'est trop dangereux, on doit partir et vite. Le DUP arrive. Tu voulais prendre un nouveau départ? Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission et je m'en occupe. D'accord. Mais fais vite. C'est la part entre la troisième et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok. Y a quoi dans le sac? Récupère-le et on se casse avec un bateau chargé de briques. Ça me plaît, ça. On va s'en tirer, frérot. T'as toujours un train d'avance sur eux. Fais vite. Je me le pardonnerai pas si tu te retrouvais dans une cellule du DUP. Bon, on a une petite mission à faire. Je pense que, du coup, le F là-bas, c'est quelque chose comme ça. C'est quoi? Ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ces points roses partout, là? Pas rien, et ça passe, c'est quoi, c'est en haut, c'est où? Je crois en bas. On va utiliser nos pouvoirs, hein, sinon je pense qu'on va se faire cramer direct. Ta gueule, oh là là, c'est relou. La map. Voilà, option. Elle est là. Putain, c'est super loin. C'est méga loin. Ah d'accord, ça met juste un gros truc contre le milieu, mais ça m'aide pas à aller plus loin et plus vite. Prends une voiture? Non? Ok, d'accord, super. Si j'ai du point, je le fais cramer, non? Je fais niquer. Yeah! Là, j'avoue, c'est un peu long, quoi. J'ai rien mes pouvoirs, mais si du coup je passe devant un truc ou quoi, je vais me faire cramer, on me casse les couilles. On va éviter, tant pis, on va courir. Attends de savoir à quoi sert ces putains de points roses. Allez. Faut prendre une voiture. Et les voitures sont pas là pour rien. Ah, je crois que je me suis fait cramer. Bah, cassos, hein. Par contre, je vais me poser une question.
Est-ce que tous les points roses seraient pas justement quand il y a un néon rose, enfin de la lumière rose? Ce que je peux dire, mais à chaque fois que je croise ce point rose, bim, là il y a un truc, c'est rouge, enfin, c'est rouge, c'est rose, rose, rouge, pareil, il y a un truc. Là-bas, il va encore y avoir un point, et hop, c'est le néon rose. Et quand je cours, je fais de la lumière rose. On doit y avoir une histoire avec la lumière rose. Il faudrait que je trouve un coin tranquille. Pour soit choisir une bagnole, soit tester mes pouvoirs. Personne, non, d'accord. D'accord, donc là je tape. Là, moi, je vais très vite. Je saute. Ah, j'ai une lumière là. Du coup, j'utilise ma lumière. Non, je peux pas l'absorber. Et triangle. À quoi ça sert, je ne sais pas. Un vélo, on peut pas ça, par exemple, les gars, ça de pas pouvoir zoom, attaque de stase, attaque lourde, tirer, coup formé, sprinter, sauter, attaquer, détection, regarder, se déplacer. Je peux pas en prendre de voiture. Ils sont fait chier à modéliser des véhicules du type vélo. Oula, qu'est-ce que ça me fait là? Genre, ils sont fait chier à modéliser les bagnoles comme ça pour rien. À les mettre comme si on pouvait les prendre, mais on peut pas les prendre. Ils sont cassés les couilles pour rien, on va me faire croire. Qui veut-on faire croire ça? Oui. Bah, la foi. C'est fait entuber. En plus, on va pas utiliser une super vitesse parce que sinon on va être cramé direct. Est-ce que c'est là? Pourquoi sur les murs? Bah ouais, mais si je fais simple à milieu de la rue, il te dit depuis le début de faire attention parce que sinon on va se faire cramer et que être un mutant là-dedans, dans ce monde-là, ce n'est pas bien. Et derrière, il te demande d'utiliser tes pouvoirs, modulo, tranquille. Ni une connue, hop, je t'embrouille. Où est le respect? Je vous le demande. Ça, c'est bien, c'est que ça n'est pas du tout une vieille traînée rose. Tu es pas du tout cramé comme ça, c'est ça qui est bien. Bon, je vais où là? Oh, que je monte! Sérieux là, faut qu'on monte là-haut! L'énergie, est-ce qu'on a à l'infini? Pourquoi y a un satellite là? Je le casse. Elle avait l'air quand même comme elle se bat. Cool, c'est-à-dire qu'on a un, deux. D'accord, donc on peut en fait, on a le pouvoir qui nous fait de bouger. La classe. Plus ça va pas être tactile, ok. Quoi? D'accord, je vais lancer la cinématique. C'est fermé. Dommage. Utilisez l'éclair lumineux pour ouvrir la porte R2. Tirez pour ouvrir la porte, il peut être sur l'appartement. Toc toc. Ah, pas cool ça. On a dit pas de témoin. Tu l'as. Et la mallette. Je veux juste le sage-marin rouge. C'est tout. Okay. Et où ce sac? C'est bon. Hmm.
Attends, j'avais dû faire ça. Pourquoi hein, putain, je suis comme ça. Une bombe. Ah, sympa. Donc, pas de fric. Faut que je me charge. Je vais en avoir besoin. Ah, drainer pas dans le milieu, j'en étais sûr. Lui là. Oui, personne dans la voiture. C'est bon. Hey. Fetch, tu vas bien? Tu y étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça grouillait de Russes qui dansaient autour d'une bombe. Merde. Léa Koula. Ils l'ont trouvé. Qui ça? Mon boss. S'ils savaient pour l'appart, ils sauront pour le bateau. On doit partir. Vite. Ok, fais tourner le moteur. J'arrive. Désolé pour tout ça. Je voulais vraiment t'offrir ce chabillon. Je sais. La prochaine fois. Le flic qui arrive, est-ce qu'on va pouvoir esquiver? Il roule. D'accord, c'est pour ça qu'on a des petits points lumineux, c'est qu'on absorbe la lumière. Hop, pas temps de niaiser. Ce qu'on se met, c'est qu'on est bien accueilli, quoi. Je suis insulté de tous les noms, t'es. Personne vient te chercher, mais il t'insulte de longue, t'es. On sait où c'est là, là, c'est au fond. Mon pouvoir, ça, je pourrais avoir un maximum de. Piou piou piou! Oula! Sauter ou comment ça se passe? Il y a des fringues partout. Brad! Allez, réponds. T'es où? Ah, c'est ballot ça. On ne vous le dira jamais assez, un téléphone portable c'est pour être portable. Si vous le laissez par terre ou dans un endroit fixe, personne ne pourra vous joindre. J'ai un bon souvenir. Notre première nuit à Seattle, on s'est réfugié sous un pont pour s'abriter de la pluie. On a lu des comics à la lampe torche jusqu'à ce qu'on s'endorme. Oui, ça y est, des chats. Et puis, ce type a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit-là, on a fixé les règles. Règle numéro 1, pas de pouvoir, quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il est plus là! Ma faute! J'ai disjoncté! Et bim. Perdu! Nul! Ces absences du monde réel m'ont changé. Petit combinaison grise et orange, je fais penser à la portal. Comme si mon corps voulait se battre, mais mon esprit. Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez me montrer l'état en est de votre fracture mentale. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas. La dernière fois, je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là.
Et boum! Ouais, carrément, quoi. Carrément. Ah. La petite zone d'entraînement. Tout le monde a des points faibles. Il suffit de les chercher. Maintenez L2 pour zoomer et révéler les zones de faiblesse. Ah, voilà. C'est un début. Mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. Suivez vos instincts. Pas mal. Bon, ça charge, par exemple. Vous voudriez peut-être des cibles un peu plus pertinentes. Impressionnant, n'est-ce pas? Ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue. Maintenant, tu es là. Je dégomme pas de trucs à l'aveuglette, ok? Oh, Eugène, le porteur qui a créé ces hologrammes ne vous en voudra pas. Pourquoi faire? Le but est de survivre. Pas que pour vous. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Allez, protégez-le. Ok, donc quand on fait ça avec la barre d'essence, c'est qu'on ralentit le temps. Ravi de voir que vous avez encore de la rage à revendre. Espérons que vos sens soient aussi... Leur tourne. Trouvez l'otage et sauvez-le. Il me semblait que vous pouviez voir les gens à travers les murs. Ce n'est plus possible. Bien joué. J'ai caché un deuxième otage à proximité. Cette fois-ci, vous allez devoir vous déplacer rapidement ou il mourra. Dans d'atroces souffrances. Hé hey, hé hey. Mais te va pas. T'en vas pas, je veux dire, je suis là. Hop, pouf. Ce n'est pas le meilleur temps que j'ai vu sur ce test. Essayons autre chose. Le menu pause, alors le menu pause, ah oui c'est vrai que j'ai gagné un point de compétence, le menu de droite liste les défis disponibles, ok. Appuie sur L2 pour sauver l'écran d'amélioration. On termine les défis, vous gagnez des points de compétence d'SP, puis en temps d'acheter de nouveaux pouvoirs d'amélioration. Ok. Si je pourrais acheter ça. Maintenez, enfonce. C'est pour passer en vitesse la vitesse lumière, puis appuyer sur X pour grandir dans les airs. D'accord. Pourquoi pas. Appuyez pour prendre la partie. Ok. Dunay, à quelle hauteur pouvez-vous sauter? Puis sur X pour forcer la vitesse de lumière, puis se poser dans les airs. Hop, on aura le néon. Tac. Vous avez assimilé les bases. Mais êtes-vous tenace, mademoiselle Walker? Face à un défi de taille, est-ce que vous vous battez jusqu'au bout ou est-ce que vous vous tirez dans un coin? En garde, mademoiselle. Vous devriez vous dépêcher. Ce nouvel otage a l'air... Pourquoi tu veux pas... Allez, grimpe! Face! Voilà un autre otage. Vous n'aimeriez pas qu'il connaisse une fin tragique, hein? You! Bim! Pas
Alors, c'est qui le patron? Il est où? Ah, il est au-dessus. Et voilà encore une autre victime qui arrive. Ça n'arrête pas. Et bim! Il a même pas pris un coup. On va y remédier. Attention, oh my god! Amazing! Bon, si je m'avais loupé, mais. Sors! Oui! Tire-toi d'ici! Et bim! Merde, on le loue comme par hasard. Préparez-vous à jouer encore une fois, les sauveuses. Ouais, carrément, automatique et tout, tu sais. Bon, c'est un peu chiant de. C'est un peu relou en fait de. Ouais, récupérer à chaque fois les. Enfin, viser au même endroit. D'accord, donc on est pas obligé de tirer spécialement là où ils disent. C'est pas mon point. Un point faible, donc c'est mieux, mais on peut tirer quand même. Spammer le mec, c'est pas trop. Dans un éclair rose! Bon, je crois que je récupère un peu de lumière parce que. Je commence dans la dèche! Hop là, on se recharge un petit peu. Boum! Naméo! Dernier là! Alors? C'est bien pour l'instant. Alors? Je dirais que vos performances de sauvetage ont été acceptables sur cet exercice. Nous tenons les comptes, vous savez. Les exploits des autres porteurs sont affichés pour attiser votre esprit de compétition. Je reste disponible si vous voulez vous entraîner. Peut-être avez-vous envie de les battre? Il y a une mission de prise d'otage de la reine Alpha, puis je suppose. Mais de gauche, affiche les armes de combat de Korkan disponibles à tout moment. Ok. Ok, ok. Ok. C'est assez pour l'instant. Asseyez-vous. J'aimerais que vous finissiez de raconter les événements survenus à Seattle. Après toute une nuit à semer le chaos en ville pour retrouver mon frère, j'ai fini par rejoindre notre bateau. C'est là que je l'ai rencontré. Lui aussi, il cherchait Brett. Excuse-moi, ma belle. Dis-moi, t'aurais pas vu un gars avec une crête iroquoise dans le coin? Attendez, vous connaissez Brent? Vous êtes avec les Russes? Les Akula? Oh, mais non. Ce sont eux qui ont fait ça! Bordel! J'en ai marre qui kidnappe mes employés! Hey, vous savez où il est? Vous pouvez m'emmener? Du calme, ma jolie. À ta place, j'irai pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce merdier. Je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi, mais... C'est mon frère. Aidez-moi. Ton frère? C'est toi, Fetch? Je suis Shane. Shane. Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jolie nana. Allez, dites-moi où chercher. Quartier Est, surtout. Merci. Si quelque chose vous revient, appelez-moi sur le portable de Brent, d'accord? Ouais, ok, comme tu veux, ma jolie.
Je compte sur toi pour régler cette histoire, d'accord? Bon, apparemment il travaille avec. Il va bientôt rencontrer la vraie Fetch. Et pour ça, il me faut un max de néon. Là, je peux me rouler dessus, ça serait sympa. Salut Fetch, je suis en train de me renseigner. Mais en attendant, les Akula vont tirer à vue. Va vite falloir trouver une piste. Ok, je suis déjà à la recherche de néon. Oh, minute, papillon de lumière. J'ai rien contre le fait de sniffer, mais c'est vraiment... C'est un truc que j'ai appris dans le New Jersey. Le néon me permet de courir à toute vitesse. Ah ouais? Bon, je te crois sur parole, porteuse. Je me demande combien d'autres attributs tu caches dans ta manche. Ah merde, faut que je monte sur le panneau du milieu. Petit côté comment dire, faut que j'aille voir cette grande enseigne. Sensro 4. On se transforme en bête bestiole bizarre dans le monde de, dans le monde parallèle où on a des super pouvoirs ici et là. Côté un peu néon, futuriste, tout ça. Oh, plus un petit côté ah putain, plus un petit côté forcément J'étais là, ici et là. Personne m'a vu. Ouais, elle est assez grande. Vas-y, crash! Allez, petit nuage. C'est l'heure de te rendre utile. Well, d'ailleurs. Père est fuminé pour gagner des points de compétences. Et super booster. Bon, j'ai besoin d'un max de puissance de feu. Ça a bon goût. Oh, un gros. Et qui bouge. Fetch, chérie, c'est à toi qu'on doit le feu d'artifice près de la Nidale. Je t'ai dit que j'avais besoin de néon. Concentre-toi sur Brent. Pour la discrétion, on repassera. Tu sais, je pense que tu ferais mieux de me rejoindre ici pendant que je tâte le terrain pour progresser. Sur les Akula, bien sûr. Alors ça dit quoi, ça? Ok. Ah, faut que je sélectionne peut-être. Bon, charger à travers les nuages lumineux pour traiter les lumines, d'accord. Oh, quand c'est course. Ok. Toi, mon gros nuage de néon, tu passes à la casserole. Voilà, par contre. Non, merde, j'ai loupé. Ouais, puis moi j'ai super chié surtout. C'est pas facile. On recommence. Je décuplerai ma vitesse en traversant ces nuages. Pacific Sun Center. Et t'accélères après t'as. Oh là. Merde, pourquoi je passe à côté ce con? Ouais, évident du tout de voir quelque chose, on voit, je vois pas grand chose en fait dans ce que je fais. J'ai loupé. Je croyais qu'il est monté sur le l'hélice là, et en fait pas du tout, il est passé à la gauche, je l'ai pas vu, putain. C'est pas facile à contrôler ce machin. Hein. J'arriverai jamais à l'attraper sans ces nuages. Et bah, tu as déjà dit ça.
Let's go, allez. Ouais, c'est la cinématique, là, je m'en fous. Dès que tu prends l'accélération, en fait, après, ça devient incontrôlable, quoi. Moindre petit coup de joystick et c'est fini, quoi. Déjà ? Ils sont meilleurs quand ils courent. J'ai peur, tu sais. T'es au courant. Bon, tu fais flipper quand même. Lumen, course lumen, tag lumineux. D'accord. Pourquoi pas ? T'as mis les 4 dans la carte, je pourrais. Ok. Ok ! Du coup, je peux m'améliorer alors. J'ai plein de points d'amélioration. Bref. Donc, ça, c'est déjà fait. J'ai 6 points. Donc, je peux améliorer ça. On va les rapprocher, ok. Une fois à portée, appuie sur. Triangle pour foncer vers un ennemi, lui asséner une puissante attaque. Vaincre un ennemi grâce à un combo de mêlée standard rechargera vos coups fatals. Ok. Ça, je peux me l'acheter aussi, c'est quoi? Appuie sur R2 pour lancer une attaque lumineuse. Longue portée. Ok. R2, c'est pas ce qu'on fait depuis le début. Cool ça. La manette L2 pour lancer une série d'éclairs lumineux. Ça a l'air bien ça. Ça c'est quoi? C'est appuyer maintenant la touche pavé tactile enfoncée pour absorber l'énergie des panneaux lumineux, des éclairages de toutes sortes de néons. Augmenter la capacité d'énergie lumineuse de 25%. Ok. On va prendre l'éclair lumineux, tiens. Ouais, non, par contre, si tu me changes mon truc pendant que je sélectionne, ça va le faire. D'accord. Pouf. Il reste un point. C'est quoi ça? Et donc les Akula viennent vers moi. Où est Brent? Aucun d'entre vous parle français? Chut. Ouais, super. Je les poune. Les poune grave. Ok, bande de nazes, c'est parti. C'est un peu nombreux quand même. Une fois suivant un ennemi à terre, vous pouvez déclencher une singularité lumineuse, ok. C'est plutôt cool, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympa, ouais, ça envoie du pâté quand même. Fetch, ma chérie, je viens de tâter du doigt quelque chose de lourd. Hey. Les Akula vont recevoir une énorme cargaison d'armes. Aide-moi à les voler et je détache 50 hommes armés dans l'heure pour retourner la ville à la recherche de Brent. Génial, merci. Et arrête de m'appeler ma chérie. Tes fantasmes regardent que toi. Bon, passons à la suite. Allons, allons, je te signale que certaines femmes me trouvent parfaitement irrésistible. Surtout celles que tu payes. Bon, retrouve-moi dans la ruelle derrière la sandwich Rignat quand tu seras prête à voler les armes, ok? Allez, ciao, ciao. Ah, est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on continue à récupérer des orbes machin, là? Prochaine mission. Moi, je serais de fouiller un peu la ville. Et là, c'est le drame. Ou pas. Allez là. Et boum. Efficace et pas cher. Ou est-ce qu'il y en a une de proche? Ah, il y en a une là, tiens.
Yeah. Ah, oula, pour la... Ça passe. Ça passe. C'est quoi ça? C'est la housse. Hop. Ok. What the fuck? D'accord, il est là. Pas mal, pas mal! Il y en a beaucoup là par contre. On est au moins? Ah non, même pas. Disparition! Où c'est que j'en ai vu un tout à l'heure? Sur la map, il y a que celui-là. Qui se pose tranquille comme ça. Hop là! Coucou! Bon, tu peux le pousser, ça va. Yeah! Ok, t'as rien vu. Hop! De connard. Tu sais pas, tu te fais insulter par les gens, mais gratuit, t'as rien fait, t'as rien demandé à personne, t'insultes. Normal. Oh la vache. Je vais être lourd à récupérer. Yes! Boum! Enfin, je monte là-haut. Ah, je passe trop loin! T'es sérieux, mec? Non, mais comment je suis arrivé à passer à côté? Ah putain, je suis beaucoup trop loin. Est-ce qu'elle est sur quoi là? D'accord. Mais merde! Hein. Aïe. Voilà. Eh, hey, t'es où? T'es pas. Mais d'accord, il y en a deux! Ok. Il est où? D'accord, je vois pas du tout où je vais. C'est super! Attends, faut sauter là. Allez, grimpe! Mais pourquoi j'arrive pas à aller jusqu'à haut là? You! Mais pourquoi j'arrive pas à aller jusqu'à haut? J'arrive jusqu'à là-bas et j'arrive à sauter jusqu'à là-haut? C'est de la merde ça! Yes! Et bim! Hop là. Hop là, et le deuxième, deuxième, bah, je pense qu'il y a moyen que de choper là. Hein. Je suis chaud, je suis chaud. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Attends, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah bah je vois que tu peux... Ah d'accord. C'est vrai. En fait, je me demande ce que c'est cette tâche. En fait, c'est simplement un boost. Quand tu passes dedans, hop. Non, je passe à côté. Oh le mauvais. J'ai pas sauté. J'ai 2 heures, je me casse le cul pour rien. Et voilà, putain la vache. 2h30 pour ça les amis, pour ça. Bon, je check le temps, on a déjà 45 minutes, donc je pense qu'on va se laisser là pour le début de l'aventure. Parce que ça fait déjà un petit moment déjà. Et on continue un petit peu à farmer les boules. Et puis du coup on se retrouvera pour la prochaine fois où on continuera à farmer le boule.
pour te faire un peu ton personnage, et ensuite on ira donc voir le mec là, je sais plus comment il s'appelle, voir le type, pour justement continuer l'aventure, aller voir cette espèce de cargaison d'or là dont tu parlais, et voilà. Donc du coup sur ce je vous dis portez-vous bien, faites pas trop chaud à votre corps, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gens.